bénis et te rendre toute la gloire. Nous te prions, notre Dieu, notre roi. Merci de nous assister, de te manifester pleinement et puissamment dans nos vies. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur la manifestation. Nous savons que tu es Dieu, tu es puissant. Merci de nous assister et merci de te manifester et de te glorifier. Tu es Elohim. Nous savons que tu es le Dieu de grâce. Capable de nous délivrer. Merci Seigneur. Le puissant corps Jésus-Christ de Nazareth. Comptons sur toi. Louis. Jésus. Jésus, ce soir, nous voulons te voir à l'œuvre. Tu es tellement puissant, Jésus. Nous te voulons à l'œuvre ce soir. Merci de te manifester. Merci d'agir pleinement dans nos vies. Nous te rendons de toute la gloire. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Toi, sur la gloire, notre Dieu. Nous te bénissons, notre Dieu. Merci de te manifester. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien, ouais, bien, ouais. À mon soleil, oh, 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 oh. À mon soleil, oh, oh, oh. À mon soleil, oh, oh. À mon soleil. Dis à quelqu'un, tu es béni ce soir. Dis à quelqu'un. Alléluia. Dis juste à ton voisin, tu es béni. Ce que nous sommes en train de dire a beaucoup de sens. Amen. Parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes bénis. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui la solution à tous nos problèmes. Amen. C'est lui le miracle. Capable encore d'opérer ton miracle. Amen. C'est lui la guérison. Amen. Il est capable encore de te guérir. Amen. C'est lui la délivrance. Amen. Il est encore capable de te délivrer. Amen. C'est cela que nous sommes bénis parce que nous sommes dans sa présence. Amen. 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 Nous savons que David disait dans la parole de Dieu, il dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la présence de la maison de l'Éternel. Vous êtes béni. Il y a quelqu'un qui est béni. Amen. Amen. Vous êtes dans un centre. Ici, c'est le centre de prière. Béniel qui bénit. J'ai vu la face de Dieu. Il y a la face de l'Éternel que nous cherchons. Nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Jacob beaucoup cette présence dans le nom transformé de Jacob à Israël. Il dit, c'est Béniel. J'ai vu la face de Dieu. Amen. Quand on voit la face de Dieu, Dieu nous délivre. Amen. Jésus-Christ est puissant. Amen. Il est encore capable de te guérir. Il est encore capable de te restaurer. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il est vraiment important pour nous d'écouter la parole de Dieu. Nous allons écouter la parole de Dieu pour qu'elle fasse de nous du bien. Vous savez, si vous voulez que Dieu vous bénisse, si nous voulons voir Dieu à l'œuvre dans nos vies, ça dépend de nous, pas de Dieu. On a bien saisi. Voilà. Vous allez dire, mais pourquoi ça dépend pas de Dieu? Non. Dieu, c'est suffit. Amen. Amen. C'est nous qui avons besoin de lui. Donc il y a des conditions pour atteindre sa présence. Si tu ne remplis pas ces conditions, tu ne peux pas être béni. Donc ça ne dépend plus de Dieu. Ça dépend de nous. C'est pour ça que vous comprenez qu'il y a des gens, qu'il y a d'autres personnes qui sont guéries. D'autres ne le sont pas. D'autres sont délivrés. D'autres ne le sont pas. Et ils s'en prennent à l'homme de Dieu. Ah non. Alléluia. Amen. Ta délivrance ne dépend pas de moi. Ça dépend de toi. Amen. Amen. Pendant que les gens viennent pour être délivrés, toi tu es ailleurs. Dieu ne pourra pas te délivrer. Parce que la délivrance, ça se désire. Tu es à Divo pourquoi? Je suis venu à Divo pour être délivré. Ok. Mais est-ce que ton esprit est dans l'esprit de délivrance et de prière? Il y a des gens qui sont là, leur esprit ailleurs. Pendant qu'on prie, l'esprit est ailleurs. Tu ne peux pas recevoir la grâce de Dieu. Or,
Pendant que le prophète n'est pas là, nous prions, nous continuons de prier parce que Dieu est présent. Amen. C'est ça. Alléluia. Amen. Souvent je suis en Europe, Dieu guérit les gens ici. C'est la présence de Dieu. Il n'a pas forcément besoin de moi. Pour guérir, il est souverain, il est puissant. Ici, c'est un lieu de prière, de miracle, de délivrance. Tu dois te dire, je viens pour être délivré. Si tu n'es pas délivré, pose-toi toi-même des questions. Pourquoi tu n'es pas? Sinon, Dieu est là. Alléluia. Amen. 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 C'est pour ça qu'il faut comprendre. Amen. Amen. Pourquoi tu es là? Nous devons comprendre pourquoi nous sommes ici. Oui, je suis venu pour être guéri. Je suis venu pour être délivré. Ok. Il faut remplir les conditions. Il faut que ton cœur le cherche. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. La Bible dit, tout votre cœur. Vous avez compris? Amen. Tout votre cœur. Quand on dit prier, priez. Quand on dit à 4 heures, priez. Si on vous dit tant, priez. Et puis ici, laissez, soyez humble. Laissez à faire des... Je dormais là, je suis venu dans tel coin. Laissez tout ça. Mettez-vous dans les conditions où vous rabaissez. Puis Dieu regarde, vous dit, ok. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je dis que celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le plus petit. Plus vous allez vous rabaisser, cette partie d'humilité, cette manière de faire, pendant qu'on dit, on gêne, vous gênez. Même si on ne vous a pas dit de gêner, le fait même que vous soyez là, vous gênez vos mains. Vous êtes dans les coins en train de prier. Dieu se souviendra de vous pour vous délivrer. Amen. On va bien saisir. Amen. On n'a pas forcément besoin de rentrer dans le bureau du prophète, parler avec lui. C'est avec Dieu qu'on parle. Même si Dieu utilise le prophète, mais Dieu est là. Amen. Amen. Ça va? Ça va aller. Les gens veulent rentrer dans le bureau du prophète pour être délivrés. Il n'y a rien dans le bureau. Jésus est là-bas seulement. De toute façon, il est dans le bureau, il est ici. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est la manière. C'est la manière. Il faut avoir la foi. Alléluia. Amen. Il faut avoir la foi, c'est tout. Il faut avoir cette foi. Dieu peut te guider de façon de seconde. J'ai vu des gens qui avaient l'insuffisance rénale. À quelques minutes, Jésus-Christ a guéri. Amen. 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 C'est tout. C'est la foi. Si vous mettez du sérieux dans ce que vous êtes venu faire, si vous ne jouez pas des spectateurs, que vous venez faire, vous mettez du sérieux dans ce que vous êtes venu faire, vous verrez la main de Dieu vous délivrer. Amen. Dis c'est le sérieux. Ça va? Le démon est là. Come! Allez! Come! Oui, j'ai. Sois pour les églises, c'est pas sorti. Tu vas partir de sa vie. C'est un ordre. Et maintenant, tu vas quitter sa vie. Aujourd'hui. Sa vie. C'est un ordre. Tu vas quitter sa vie. C'est un ordre. Ce corps-là ne t'appartient pas. Voilà, sors. 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 Va lâcher sa vie. Si. Tu vas libérer sa vie. C'est un ordre. Oui. Lâche.
cela. Allez. Il va partir. Et libérer sa vie au nom de Jésus de Nazareth. La puissance de Dieu écrase ton pouvoir. Au nom de Jésus de Nazareth. Puissance des ténèbres. Puissance des ténèbres. Au nom de Jésus de Nazareth. Lâche-la. Non, pour moi. Ah non. C'est pas pour toi. Milia. Mabanya. Faut traduire, monsieur. C'est pour elle que c'est son corps. L'esprit l'a dit, ouais. Que le corps appartient. Hein? Mabanya. Depuis quand? Milia. Tout de vous maintenant apprendre. Milia. Hein? Tu dégages. Lâche-la. Tu vas partir. Oh, quoi, ma? Tu vas partir. Oh, quoi, ma? Milieu. Tu son mari il est découragé. On va chasser, hein? Tu as quelqu'un et un autre, il prend ça. Un voleur. Oh, les voleurs sont les dangereux. Hein? Tu vas partir au nom de Jésus. De temps en temps, elle est un peu violente. Hein? Il y a un homme dans sa vie, il y a un homme, un parent proche qui couche, qui abuse d'elle en sorcellerie. Mari de nuit là, ça n'existe pas. Si vous voyez ça, c'est que c'est un sorcier qui est à côté, qui abuse de vous. Que ça soit femme ou que ça soit un homme. Maintenant, les femmes, elles sont dedans. Elles ont kiki tout ça. 2 mètres, tout ça. Ça l'a pitié de toi, hein. Je pense savoir qu'à 6. Ah, kiki des sorciers, là, il va vous amuser, toi, hein. C'est pour te donner bobo de main. Tu vas la libérer au nom de Jésus. Tu vas la lâcher. Mais quoi? Au nom de Jésus. Elle dit, tu vas libérer. Vous voyez, quand vous avez les rapports nocturnes avec les esprits, c'est ce qui crée en vous les myopes. Parce que l'esprit est jacqué en vous. Ça crée ce problème là en vous. Il a mis une maladie en elle. Quelle maladie? Dans son ventre. Laisse tes bibles là-bas. Non, mais tu sais qu'elle est chez elle. Laisse bibles, portable. Viens ici. Sac et soukro. Il a gâté son école. Elle devait faire quoi? Il a dit à Duma. Où est Duma? Femme, place.
placée. En famille placée. En famille placée. Yo femme. Yo femme. Yo single. En famille placée. En kakimi. En kakimi. Yo blessou. Yo blessou. Yo blessou. Yo blessou. Yo blessou. Ah. C'est bien intelligent. C'est bien intelligent. Ok. Fité, allez! Fité! Jésus dit mon nom, Fité, allez, fais! Va, Fité! Pourquoi? Allez, Fité! Jésus dit mon nom! Pourquoi? Allez, Fité! Pourquoi? Fité! Million! Allez, Fité! Million! Bon, bien, nous mort! Fité. Bande à nous mains. Fité. Bande à nous mains. Allez, Fité, ben. Bande à nous mains. Ben, Fité. Jésus, dis-moi non. Fité. Fité, Jésus, dis-moi non. Fité. Allez, Fité. Fité, allez. Ben, toi, allez, quand. Allez, quand. Fité. Fité. Jésus, dis-moi non. Fité. Fité. Allez, Fité. Allez, Fité. Fité! Côté où maintenant après moi? Fité! Bravo! Hey! Bye! Fité! Amen! Jésus du maman! Fité! Allez! Fité! Comment dit feu? Si, si, si on souffre! Si on souffre! Si on sou lo nye ye lo nye ye koma lo nye ye si on sou o koma eh papa qui a le feu là-bas eh Fité lo nye ye koma allez Fité allez Fité allez Fité la puissance de Dieu la puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. God! La puissance de Jésus. Allez! La puissance de Dieu. Ça guérit en même temps le miracle dans son ventre. Quelque chose en train de se passer. Le miracle de Jésus. 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 Miracle de Jésus. C'est fini. Tu pars. Tu pars. Tu pars. Tu pars. Avec cette maladie. Tu pars. Tu pars. Tu pars. Maintenant même. Maintenant même. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de Jésus-Christ. Allez! Eh, hey, il parle français. Ils sont français. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Jésus te délivre. Jésus te guérit. Jésus te délivre maintenant. Il te guérit maintenant même. Il te délivre. Sa puissance te guérit. Tu quittes son corps. Va-t'en. Va. 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 Va-t'en. 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 Quitte ce corps. Par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Quitte ce corps. Au nom de Jésus. Lâche. Comment commencer à voir des rapports nocturnes, des rapports sexuels nocturnes. Vous avez l'impression que quelqu'un prend le visage de quelqu'un que vous aimez, bien sûr. Le diable n'est pas malade, il n'y aura pas un moche. Vous allez vous réveiller, vous allez faire cauchemar. Quelqu'un que vous aimez. Souvent, vous imaginez quand vous le désirez, vous l'aimez, vous plaît, c'est son visage que le diable prend. Or, ce visage-là, c'est peut-être mémé dans le. Oui, c'est un enfant, oui, c'est un oncle qui se déguise.
C'est là où il a pris le visage de quelqu'un. Et puis il abuse de toi. Et tu as l'impression que tu es en train de faire des rapports. Parce que ça, tu es mouillé après. Or, d'autres filles, elles sentent de la douleur, elles sentent que c'est douloureux, tout ça. Mais ça dit, c'est pas. C'est physique. Hein. Enfin, c'est un truc spirituel, mais ça a un impact sur le corps. Or, quand le sorcier vient coucher avec toi, par exemple, c'est un contact. Le sorcier te met des choses en toi. Quand il éjacule en toi, il gâte même ton sang. Il peut te donner un cancer. C'est pour ça qu'il faut prier. Tous nos organes doivent être confiés à Dieu. Donc, quand il a les rapports avec toi, du coup, c'est ce qu'on appelle après le fibrome. Moi, j'ai déjà vu fibrome, un fils spirituel, gynécologue, chirurgien, me montre la vidéo des fibromes qu'il a levé dans le ventre d'une dame. Mais ça a respiré comme un enfant. Il paraît que quand tu as ça, tu as les symptômes de comme si tu avais des grossesses, une femme qui est enceinte, les mêmes choses, la chaleur, les deux trucs. Or, c'est un monstre qui est en train de voler dans ton corps. Et il suce ton sang. C'est de la sorcellerie. Il y a les médecins, c'est vrai qu'ils donnent les noms, hein, mais ils ne savent même pas comment c'est venu dans ton corps. Mais oui, il faut qu'ils savent, mais ils ne savent pas. Mais c'est un problème purement spirituel. Et maintenant, c'est en vogue, c'est partout. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que Dieu vous protège. On doit vous toucher à votre corps. Or, cet esprit-là, quel est dans ta vie, pour une femme, elle devient violente. J'ai un rejet. Les hommes, vous allez commencer, mais ça n'a pas marché. Or, quand tu as cet esprit, tu ne peux pas. Le monsieur qui est en contact avec toi, ses affaires capotent. Forcément, ses affaires échouent. Ça ne marche plus. Et puis toi, ça te fait tourner en rond. Amen. Amen. Tu vois, le plus donner les qui, c'est la lémium. On peut même t'opérer, on ne voit même pas. On opère, on joue dans ton ventre. Que Dieu permette qu'on ne vous touche pas le corps au nom de Jésus. Amen. Vous savez, quand vous opérez, c'est fini, c'est un handicap à vie. Dieu est handicapé à vie. Le corps n'est pas fait pour qu'on opère. Mais on veut, la science a trouvé un remède. T'opérer, enlever les choses. Mais tu es handicapé à vie. Il y a des gens qui l'opèrent 5 fois, 6 fois, c'est pour changer quoi. C'est pour t'affaiblir. Une fois dans ton paiement, t'as affaibli, c'est fini. Ton corps est affaibli. Que Dieu vous délivre de ça au nom de Jésus. Amen. C'est tout ça que nous combattons, nous autres. Parce que le diable ne joue pas avec le corps. Avec le corps humain. Jésus te délivre. Jésus-Christ te délivre. Sa puissance te libère. Sa puissance se libère aujourd'hui même. Le divorce est prononcé entre toi et elle. Touche plus à sa vie. Touche plus à sa vie. Touche plus à sa vie. Jésus guérit ton ventre. Jésus guérit ce ventre. J'ai détruit tout ce qui est dans le ventre. Au nom de Jésus. C'est une sémence, c'est ce qu'on appelle la sémence du diable. Il sème en toi une maladie. Pas pour que tu guérisses, non, pour te faire dépenser. Une maladie qui est mystique, tu vas boire chez les médecins, ça ne va jamais guérir. La puissance de Jésus-Christ te guérit aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Pendant que tu penses que tu es couché avec ta femme, il y a quelqu'un qui vient, qui abuse d'elle. Il te donne un sommeil. Et quand c'est qu'on constate, votre mari est frappé par ce qu'on appelle une faiblesse sexuelle. En temps normal, un homme doit satisfaire sa femme. C'est ce qui est vrai. C'est pas d'appétit, c'est. Elle doit prendre du temps, tu ronds, c'est pas d'appétit, c'est. Mais c'est la vérité, vous dites. Qui est malade pour aller marier, on dit quelqu'un, il ne bande pas, toi le marié. Mais je vous dis la vérité. Tu n'as pas vu quelqu'un qui dit, je vais marier quelqu'un qui ne bande pas.
Il lui a demandé pourquoi alors. Il lui a donné plagiat à manger, c'est tout. Mais l'homme est fait pour ça. Quand quelqu'un ne répond plus, on dit il est malade. Ou bien? C'est pour ça que nous aussi, on demande ici. On dit tu veux marier la fille là. Ça avance bien là-bas. S'il dit oui, on vous prie. Ah, mais c'est vrai. Tu vas la marier, c'est pourquoi? Elle va préparer pour moi, c'est fini, c'est tout. Ah, vous aussi. Ça là, ça peut faire que la femme peut être infidèle. Tu vas donner l'or, diamant à une femme, tout. Tu la satisfais pas sexuellement, elle va tricher. Faut pas en se mentir ici. Faut pas en se blaguer. En tournée, on se blaguer. On va rêver pour dire non. Ah, prophète, ce qui est vrai, c'est vrai. Ce qu'il dit là. Personne ne va aller marier quelqu'un qui ne bande pas. Pourquoi? Il a beaucoup aimé lui. Non, il est joli, c'est tout, il est joli. Là, le mec comme momie dans la maison, le regarder. Donc chaque semaine, tu t'occupes de ta femme. Voilà. Or, quand tu as ce démon là, le démon a fait que le monsieur ne répond pas. Quand tu le touches, il fait tchourou. Il est fâché. Ça veut dire qu'il y a problème. C'est pas seulement l'homme qui doit demander. Hein. La femme aussi, elle a besoin de demande. C'est pas un péché. Lisez dans la Bible. Nous allons voir dans Corinthiens, chapitre 16. La Bible dit que la femme, son corps ne lui appartient pas. Vous qui aimez refuser. Là. Vous amenez vos messieurs dehors. Ah, refusez. La petite, elle refuse pas. Elle fait tout ce qu'elle demande. Maintenant, il ne rentre pas vite. Vous êtes fâché. Ben, il va rentrer vite de tout. Il ne veut pas. Non, il fait dehors. C'est ça. Marier, marier, c'est une responsabilité. Hein. Ah non, toi-même, je suis fatigué. Laver les enfants. Il est préparé. Ticliti. Il est préparé. Placali. Tu ne veux pas. Il est fait placali comme ça. Hé, ça passe dans le foyer. Quand vous montez sur le lit, le monsieur a besoin de toi, tu réponds. Il faut qu'on vous donne ces conseils-là. Le corps appartient au monsieur. Je dis, c'est ça. Le monsieur n'a qu'à faire les milliers de séminaires. Le jour où tu as besoin de lui, il répond. S'il n'est pas, il ne répond pas, on fait sa divorce. C'est la vérité. Amen. Or, quand ce démon est là, dans un foyer, il touche. Si c'est pas l'homme ne répond plus. Tu vas beau faire marcher devant lui bizarre, tu ne séduis même pas. Ça lui dit, c'est qu'il est malade. Parce que la femme doit être à mesure de faire répondre son homme. Or, quand l'esprit est entre vous, l'homme est prêt comme ça ne fait rien. Si on arrive à ce stade-là, vous venez, amène ton mari, faire délivrance. Amen. Amen. C'est comme ça. Or, quand l'esprit est là, il fait que ton mari t'oublie. Il t'ignore. Tu vas amener, mais c'est comme si tu n'existais pas. Or, cet esprit a créé ça. Or, un esprit de la sorcellerie peut venir créer ça. Le jour où vous voyez qu'un monsieur ou un mari ne vous touche plus un mois, deux mois, vous n'êtes pas fâché. Ah. Vous allez demander, monsieur, tu sais bien, il y a quoi? C'est la vérité. Dieu a créé ça. Le rapport sexuel dans un foyer, ça met les gens ensemble. Ils n'ont qu'à se fâcher. Quand ils commencent à se rapprocher, quand ça les met ensemble, ils vont sourire tout de suite. C'est important. Or, quand il y a un esprit, cet esprit-là dans le foyer, c'est fini. Le gars est fâché, tu sais pas pourquoi il est fâché. C'est moi qui faisais. C'est pour ça que toi qui es spirituel, il faut commencer à t'apaiser. Quand quelqu'un ou la femme se fâche trop, il faut que quelqu'un se maîtrise. Tout ça, dans un foyer, il faut forcément quelqu'un qui est super spirituel. Lui, ça pèse, lui, il règle le problème. Ça va? Tu veux faire enfant? Hein? Tu es prête? Hein? Bon, d'ici deux mois, tu auras grossesse, pas? Amen! Faut compter d'ici deux mois. Ah, toi, enfant. Et tu vas avoir la grossesse ici. Trop. Amen. Bah, d'ici deux mois, tu seras enceinte. Amen. 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 Donc, c'est ça. C'est ça que c'est important que monsieur ou madame soit délivré. Ah, on n'arrive pas à faire enfant. Bah, vous n'arrivez pas à faire enfant. C'est qu'il y a un esprit. En temps normal que monsieur et madame soient ensemble, il va avoir un enfant. Mais ce n'est pas un prétexte pour chasser monsieur ou même madame. On se marie parce qu'on a aimé madame, n'est-ce pas? On peut me suivre ici. Amen. Moi, on ne peut pas marier femme. Dès que tu es marié, tu vas faire des enfants. Celui qui te dit ça, il t'aime pas. On ne marie pas pour aller faire enfant. Voilà. Je t'aime. Ok. Enfin, il vient après.
Elle m'avait saisi. Elle fait ça après. Maintenant, comme on sait bien, Dieu donne bonus. Parce que tu as Orange, et puis on t'envoie unité, internet, par mois là, parce que tu es abonné là. C'est comme ça. L'enfant a un bonus. Or, si l'enfant vient, ne maltraitez plus l'homme. Or, c'est ça votre problème. Quand un enfant vient au monde, vous maltraitez le monsieur. Ah, tu vois pas, l'enfant vient de t'aider. Toi, maintenant, il n'y a pas pitié. Le petit, l'enfant, il est encore bébé, il est encore différent, moi. Il va aller là-bas où on le maltraite pas. Les gens, vous voyez, ils sont posés d'eau. Elle est venue là. Toi aussi. Il y a un gars qui est sur le lit, il y a un gars qui est près de toi. Blanc, l'enfant a sa chambre. Ce n'est pas l'enfant qui avait nous séparés en nous. Quand l'enfant naît, c'est fini. On plus d'attention, monsieur. On ne lui sert plus à manger. Mais tu vois qu'ils sont donnés à ça. Toi-même, tu as quoi même? Tu as petit l'enfant. Il a des tétés. Tu as ma faim. Et la nourriture sur la table. Donc tu vois tes anciennes habitudes là, tu commences à laisser. Tu le frustres. Le sorcier du petit là, c'est le papa va venir comme ça être le sorcier du petit. Parce que quelqu'un est venu prendre sa place. Or, celui le bébé de la maison. Il y a un second bébé qui est venu. Donc quand l'enfant vient, sachez faire la part des choses. Le monsieur là, il ne doit pas sa place là. Ça doit rester. Amen. Amen. L'homme là, l'homme est possédé. Hein? C'est vous les femmes là qui faites l'homme. À 95%. On peut rester non. Nous, on n'est rien face aux femmes. L'homme n'est. Moi, je ne suis pas n'importe quel homme. Sans vous là, nous ne sommes rien. On peut rester, on peut aller, on peut faire malin pour rien. Non, nous ne sommes rien sans la femme. Ça, ce débat là, il est clos. Voilà. Maintenant, il faut tomber sur une bonne femme. C'est ça le problème. Amen. Amen. Quand tu tombes une femme, ben il y a femme et il y a femme. La femme, elle doit être prête pour toi. C'est-à-dire, elle est prête pour toi. Voilà. Elle sait qu'elle est en train de fabriquer une personne importante. L'homme, la femme, vous, là, vous avez un pouvoir. C'est à cause de vous, on passe dans la nuit, on se casse, on n'a plus peur de chiens, on traverse, même les bandits, on ne connaît pas. On est derrière clôture, nous c'est nos piques, on ne sait pas si y a un chien méchant dans le quartier, on traverse tous les dozos du quartier, on s'en va vous chercher. Donc, il y a quelque chose qui est en vous qui est important. Or, la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Ah, vous êtes très important. Vous savez, la femme est une aide. L'homme cherche un gars, il y aura un lion. Non, il y aura un éléphant. Non, il y aura un char, un panthère. Dieu dit lui là, il sait ce qu'il a besoin. Il y a quelque chose qu'il a créé, il sera à l'aise. Il dit, monsieur, dors. Il prend les os, les cordes, il crée la femme. Il dit, ah, Dieu merci. Après ça, tu accuses Dieu maintenant. Donc la femme veut dire aide. Donc quand tu es, il faut jouer le rôle d'aide. C'est ça que la femme doit être plus. C'est vrai, je ne suis pas en train de défendre les hommes. Je vous ai déjà dit que vous êtes les meilleurs. Donc, moi, je suis déjà avec vous. Amen. Amen. Mais je suis en train de montrer le rôle que vous devez jouer dans la vie d'un homme. Quand on dit aide, ça veut dire que l'homme, là, il a besoin de ton soutien, n'est-ce pas? Amen. Vous allez dire, mais pourquoi c'est l'homme qu'on doit aider et nous? Amen. Amen. La femme, là, c'est elle qui a l'affrontement, n'est-ce pas? Amen. Nous, on parle, on dit un effort. Oh, man. Ce sont des menteurs. Des grands menteurs. La femme, elle supporte. C'est ça que Dieu lui a donné, l'onction de l'enfantement. Si Dieu pouvait donner à ton mari douleur que tu as là, 5 minutes, il t'a suivi de nous fous. Le possédé, nous parler sur la femme. C'est pas bon de frapper une femme. C'est pas bon, hein? On peut tout faire, mais vraiment, ça, la vie qui est arrivée là. Ok. Bon, les femmes aussi, leur bouche même, c'est grave aussi. Leur bouche, c'est terrible. Souvent, même quand tu écoutes, tu te dis, mais ça se passe. Elle n'a pas force ici, rien. Fouille. Mais là, c'est toute la poudrée rixe. Qu'elle te met bout de l'arrière comme ça. Ça choque ton cœur.
Oh, amen. Oh, nous, comme les femmes sont nos mamans. Amen. Amen. Voilà, les femmes sont nos mamans. Amen. Il faut savoir parler. Il faut savoir prendre l'homme. C'est le médicament de l'homme. Hein, depuis là, il est fait, il sort. Tu ne sais pas bien le prendre. Je vous dis la vérité. Si tu sais bien le prendre, va sortir. Un chien qui est bien nourri, sort pas, il ne mange pas dehors. C'est la vérité. Non, ne me touche pas. Ne me touche pas. Ah. Ok, ses yeux ont brillé dehors. C'est toi qui as cherché ça. Un chien qui est bien nourri, là, il ne sort pas pour aller manger dehors. Quand il est dehors, il fuit. Vas-y, mange bien. C'est ça qu'il faut savoir prendre l'homme. Dans un foyer, quand on se marie, c'est un bonheur. C'est ça qu'il faut être prêt. Quand tu regardes, mariage, Dieu nous a donné deux choses qui sont importantes, le cerveau, hein, et puis les yeux. Non, moi, il ne savait pas. J'ai dit, mais qui devait me dire, il ne savait pas. C'est ça qu'on s'étudie. On ne parle pas n'importe qui pour envoyer la maison. Combien? Bonjour, seulement vous voulez aller dans le foyer. Bonjour, t'as dit là. Tu prends bagage. Mais c'est vrai, bonjour, tu prends bagage, oui, 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 tu es ici. Valise, ben, oh, il y a puné, mais dans ce valise. Il y a puné, tu suis. Il y a quoi? Tu me pleures, il y a ta femme. C'est facile comme ça. Non, on réfléchit. Le monsieur, il faut qu'il soit prêt à te protéger. C'est pas comme les dieux. Hein. Mais tu sens que le monsieur, il est prêt. Il s'occupe de toi. Et puis c'est vrai, un homme doit s'occuper de sa femme. Franchement. C'est quelle histoire de prendre, bouffer la reine des femmes. Il y a des gens qui sont là, ils sont experts dedans. C'est de la sorcellerie. Je ne dis pas que la femme ne doit pas aider ou même papa ne va pas donner. Hein. Je ne dis pas que vous donnez un peu aussi. Hein. Non. Mais nous, les Africains, on aime exagérer. Je vais dire quoi? Si moi, j'étais marié, la femme, ma responsabilité, je m'occupe de toi. Tu as l'argent où? Tu n'as pas l'argent, ça me dit rien. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que là où l'argent sort, là, ça va Dieu mettre le pouvoir. Bien, c'est ça. Laisse la femme s'occuper. Vous ne connaissez pas la femme? Laisse-la payer maison, laisse-la payer manger. C'est qu'elle va te montrer un matin. Tu vas voir migrer. Elle va te dire ça. Quand tu vas commencer à donner les ordres, elle va dire, hey, hey, hey. Stop. Qui paye la maison? T'as dit, c'est toi. Qui donne à manger? Donc, il faut arrêter de parler sur moi comme ça. C'est comme ça. Là où, c'est pour ça qu'un homme doit être responsable dans une maison. Il n'y a pas besoin d'attendre maintenant. On peut s'attendre. Paye tant, mais c'est moi qui dois payer la maison. Ça, seulement, moi, il doit payer ça. Ne laissez pas la femme payer ça. Hein. Ne laissez pas la femme prendre cette responsabilité. Prenez ça sur vous. Parce que vous êtes le patron spirituellement de la maison. Non, c'est vous qui gérez la maison. Ne permettez pas à la femme de gérer. Ah non, elle n'a plus de l'argent. Moi, je ne veux même pas que la femme aide l'argent qui monte. Je suis désolé. Ah, je vous dis la vérité. Si là, on connaît femme, la femme, elle n'est pas appelée à avoir ça. Si elle a ça, elle va abuser de son pouvoir. C'est qu'elle va te montrer. Je parle à ceux qui aiment, ils prennent l'argent. En Europe même, c'est comme ça. Les gens prennent 4 bleus de lait. Ils prennent ça, ils vont pas retirer l'argent de la femme qui a 4 boulots. Elle travaille. Puis tu viens bouffer son argent. Tu n'es pas sorcier comme ça. Amen. Amen. La femme, voyez là, quand elle commence à aimer un homme, c'est pour ça que Dieu dit à la femme, hein, femme, sois soumise. Vos responsabilités, vous aimez déjà. Une femme qu'elle aime, elle aime. Hein. La femme qu'elle veut t'aimer, il n'y a pas demi-mesure, ni à gauche, ni à droite. En général, c'est l'homme qui fait changer la femme. Ça, je vous dis la vérité. Faut pas se blaguer. Nous, les hommes, là, on sait ça. C'est nous, on fait changer la femme. La femme est pardon, mais l'homme, le juif sait que tu as combien de fidélité. Faut prendre bagage. Va, Zoé. Va. Parce que imagine que l'autre fait son affaire à toi. Il ne va jamais te pardonner. Même si vous êtes couché. Pardon. Il va te chasser ma tête. Oh, la femme, elle, oh non, la femme, elle oublie. C'est pour ça que vous êtes faute. Vous encaissez. Vous oubliez. Vous êtes très fort.
C'est pour ça qu'il ne vous jouez pas. Il ne faut pas que quelqu'un va venir vous prendre comme ça, frère. Ou bien amen. Vous laissez les gens vous embrasser de leur clôture, à la gare, au terminus, le bus. Le gars, il te suce tes lèvres, il prend chance vers ça. Amen. Tu sais qui a sucé les lèvres, tu le connais. Non, comme il est joli là. Il est bien, il t'embrasse. Petit champ d'argent, tu devais avoir là. Il va être ça. Pour avoir ces mentions. Les femmes elles croient vite. On ment son main. Sois intelligent. Il a fait quoi? Puis tu cours en lui bêtement. Quand quelqu'un est prêt pour ton sens, ça. Il te protège. Il n'y a pas besoin de savoir que comment tu gagnes. Mais c'est important. Quand vous êtes dans un foyer, tu dois savoir combien ta femme gagne. Elle doit savoir ce que tu gagnes. Mais oui, si ce monsieur commence à te cacher son argent, ce n'est pas un bon type. Allez, c'est la vérité, il vous dit. Ou on n'est pas, ou on est marié, on n'est pas, ou on est devenu une seule chair. Là, tu veux devenir deux chairs dans le foyer. Tu caches. Ce qu'on doit cacher, là, elle voit ça déjà, vrai, vrai. C'est là, il y en a, tu caches. Pourquoi? C'est qu'on doit cacher l'enfant, sa bille, là. Elle le voit. Maintenant, tu caches l'argent, pourquoi? C'est le principe. La femme doit savoir ce que tu gagnes. Quand tu sors, là, tu vas faire quoi dehors? Elle est au courant. Amen. Amen. C'est pour ça que c'est important. S'il n'y a pas de complicité dans un foyer, ce n'est plus un foyer. C'est pour ça qu'il faut commencer déjà à s'entraîner. Il faut qu'il y ait la communication dans un foyer. Téléphoneusement, on dit à Testo. C'est important de dire bon, comment tu vas? L'après-midi, ça va? Il y a Viber, il y a WhatsApp. Tout ça là, c'est pour nous, pour communiquer. Tu dois savoir. Les petits mots gentils, à ce que tu aimes, tout ça c'est important. Quand tout ça c'est absent, vous figurez comme des marionnettes dans le foyer. Or, quand il n'y a plus d'amour, apprenez à vous dire au revoir. S'il a pris l'amour là, hein, on va se séparer. Faut pas venir, non, faire souffrir que des gens. Pourtant, tu n'aimes pas, tu es là, vous passez le salon. Comment vous pouvez vivre dans une même maison? Le monsieur passe, il ne dit pas bonjour. Chacun va déjeuner, l'autre prépare même. Si tu veux, tu te sers, si tu ne veux pas. Vous venez dans la même maison. Comment Satan ne peut pas venir dormir là-bas? Moi, quand je ne suis pas prêt pour quelqu'un, je te dis, moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas d'accord. Le jour où je ne suis pas d'accord, je te dis ma mille vérités, et puis toi et moi, c'est fini. Bonjour, et puis tu n'es plus dans mon affaire. Ce n'est pas forcé. J'ai dit, mais elle est camarade, elle est forcée. Et pourquoi tu veux que je sois forcément ton camarade? Ça ne va pas, toi et moi. J'ai vu que tu ne peux pas faire chemin et moi. Donc, au revoir. On se salue, terminé, on s'est vu, quelque part, ça va, on se salue. Et puis on s'en va. Mais je ne peux plus te ramener chez moi, parce que je sais que ton esprit n'est pas bon. D'ailleurs, si leur esprit n'est pas bon, où les garder avec vous? C'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un commencer à l'étudier, comment il communique avec vous? Est-ce qu'il vous donne un respect? Est-ce qu'il prend le temps de vous appeler? Ce qu'il fait là, est-ce qu'il vous en parle? Est-ce qu'il a un projet pour détruire? Il vous parle de vos projets. C'est tout ce qu'on regarde. Est-ce que quand vous parlez d'une affaire, il est beaucoup attentionné? Quand vous avez une affaire bizarre, est-ce qu'il vous appelle? Constant vous dit, Yako, comment tu as pu régler le problème? Sinon, méfiez-vous. Hein? C'est la même chose qu'on dit dans le foyer. Amen. Amen. Vous voyez quelqu'un naît, ça va, tu es belle, vous prenez valise. Vous battez chez lui. Tu as quoi? Plein, je suis venu. Plein valise. Je suis venu dans le foyer. Ah, ok, ouais, la place là. Maintenant tu es venu à ce moment-là, tu as parti un matin. Tu as pleuré quand. Tu as dit, mais qui m'a envoyé chez moi? Moi, je suis bête. Tu prends ta main valise, tu retournes. On ne joue pas le foyer, il ne faut pas rater ça. Ouais. C'est grave. C'est ce qu'on appelle la déception. Tu crois un peu aux hommes. Quand quelqu'un dit bonjour, tu crois un peu à ça. Il ne faut pas qu'on arrive là. Amen. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir le discernement. Est-ce que celle avec qui tu veux avoir une aventure, en fait, mariée, je préfère,
parce que nous sommes dans la spiritualité. Est-ce que tu es convaincu qu'elle est délivrée? C'est le point d'interrogation. Bon, non, j'ai envoyé à l'église. Toi, tu peux délivrer une possédée. Tu peux délivrer une possédée. Tu peux délivrer un possédé. Amen. C'est pour ça qu'il faut être convaincu que la personne prend la peine de prier. C'est ça les éléments importants. Hein? Parce que tout compte fait dans un foyer, il y a toujours les petits accrochages. Même le plus super, il y a ça. Chacun a reçu son éducation. Voilà. Donc après, on se met ensemble. Et puis, il peut y avoir des accrochages. Mais comme on est spirituel, on dit, oh, on banalise. C'est rien, ma mal parlait. Bon, chérie, ça va, bisous matin, bon, je vais au travail. Oh, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il garde ça dans son cœur. Hein? Oui, tu m'as fait quelque chose, bon, c'est pas bon, on va prier. Ou on raconte quelque chose dans le foyer, on prie. Mais les gens qui ne connaissent pas Dieu, eh, ça ne leur dit rien. Ou même, il a une femme à la maison, il ne sait même pas, il ne la considère même pas. Ça, ça fait mal, hein? Les femmes, ça, ça fait mal à une femme, hein? Elle est à la maison, putain, même, tu ne t'intéresses même pas à elle. Où tu es quitté, elle ne sait pas. Tu rentres, tu ne fais pas les comptes rendus. Elle est là, la migraine seulement, elle me réfléchit, elle calcule. Quand tu n'es pas à côté, tu es fâché. Bon, il ne faut pas te marier, c'est bon. Laisse l'enfant des gens. Et c'est vous qui voulez vous marier. C'est pour ça que les femmes, quand vous voulez suivre quelqu'un, il faut savoir s'il est prêt pour toi ou pas. Comme depuis là, il n'y a trop personne, j'ai essayé, on n'essaye pas ça. On m'a bien saisi. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier. Parce qu'il y a des gens, il y a des femmes qui appartiennent déjà aux esprits. Vous avez entendu la délivrance là? C'est ma chose. Hein? Bah, toi tu ne sais pas, tu viens prendre la chose de quelqu'un. L'esprit est attaqué la nuit. Ou vous dormez par exemple, vous voyez, vous trouvez dans l'eau. Il faut faire attention à ton entourage. Quand tu commences à nager, tu plonges, puis tu vois dans le sommet, tu te noies, c'est que tu auras des problèmes. Ou même toi, une femme, ou même un homme, souvent il arrive les gens qui sont enceintes, dans un gros ventre, dans le rêve. Ou même une femme, elle a une grosse douleur de ventre, elle est enceinte, ça veut dire que tu auras un problème qui va venir là. Ce n'est pas amusement. C'est des petits signes dans le rêve. Mais quand tu dors, près de quelqu'un qui est possédé, tu as les gratinures, tu as l'impression qu'on t'a écorché quelque part. Deux fois, toi, là, se répète, faut amener la personne à la délivrance. Ça veut dire que tu es sur un terrain miné, hein? Le territoire qui est là, là, ça appartient à quelqu'un. Hein? Mm-hmm. Quand vous mariez les femmes possédées, vous avez les esprits quatre vos affaires. On va bien saisir. Amen. Amen. Ça fait mal qu'on fait 2-5 ans avec une personne, et puis. On va casser comme ça. Ou bien, et puis de recommencer encore une autre vie avec quelqu'un. Ça là, ça fait mal. C'est ça qu'il y a d'autres qui font avec. Du coup, ils ont cancer du cœur. Bon. Amen. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Prier pour rentrer dans un bon foyer. Et j'ai toujours dit, la confiance que vous voyez là, ça se mérite. On ne se lève pas un matin pour avoir confiance à quelqu'un. On a confiance. C'est vrai qu'on se dit bonjour, c'est ça? Maintenant, il faut prouver à la personne que toi, tu es bien. Amen. Amen. Par ton sérieux, par ta franchise. Quand c'est comme ça, c'est bon. Un homme doit dire la vérité. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Nous sommes dans un foyer, pour rentrer dans un foyer, il faut dire, si tu as eu des enfants avant, dis. Parce qu'un matin, ça va venir. Ou bien? L'enfant est grand. Il cherche son papa. Papa, papa. Ouais, papa. Tu n'as pas déclaré. Par là, mais ça dit bien géré. Amen. Donc, des amusements. Oui, si on fait des petits amusements, ça nous crée des problèmes après. Donc, la franchise. J'ai eu combien d'enfants? Madame doit dire combien d'enfants elle a eu. Je vous parle pas des gars, vous avez. Non, on ne dit pas ça. J'ai eu tel nombre de gars. Si le monsieur 16 ans, il va être abandonné. On ne dit pas le nombre de copains on a eu. Non. On parle pas le nombre de copains. On parle le nombre d'enfants. Si chacun dit le nombre de femmes qu'il a connues, ça risque de casser le foyer. Amen. On ne dit pas ça. On dit le nombre d'enfants. Où je n'ai pas eu, où j'ai eu.
tout ça, s'il y a eu un mariage, ça n'a pas marché, vous rencontrez tout ça. Et puis maintenant, vous, si les fruits, si vous avez un portable où les gens, les anciens copains vous emmerdaient, vous jetez la puce. On a bien saisi. Il ne faut pas que le portable va t'envoyer par problème. Parce qu'il y a des possédés. Et ils n'abandonnent pas. Il y a des gens, ils ont des démons, couillasses comme ça, gaillards, musclés. Ils vont continuer de t'envoyer un message. Pendant qu'ils t'entendent causer ton mari dans le fauteuil, voici un message, deux messages, trois messages, le monsieur va vouloir voir. Hein? Si tu commences à cacher le portable, on dit, ah, tu caches quoi? Donc, il y a des choses, quand on commence à avoir une relation, vous savez que telle personne, vous devez épouser telle personne, ça va bien, en même temps, pardonner vos impuissants, bizarre, là. Vous jetez ça. Faut pas ça va donner problème. Parce que les esprits comme ça qui vous créent des problèmes, hein. Vous prenez un portable neutre. Vous avez, monsieur, allons, je vais prendre mon portable. Lui-même, il sait que tu as pris puce là devant lui. Ok. Donc, s'il y a eu des accidents, des puces bizarres, il ne va pas se plaindre. Donc, il y a des choses comme ça qui entretiennent des relations, par exemple. Et quand vous allez commencer à avoir une relation basée là sur Dieu, parce que la Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera vos ennemis. Vous avez compris? Amen. Vous êtes convaincu que la femme est même. J'ai convaincu l'homme là même. Voici ce qu'il a fait. Il prie, il aime Dieu. Et ça, c'est important. C'est des critères. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Quand quelqu'un craint Dieu, avant de te faire des choses bizarres, il va réfléchir. Il y a des gens, c'est quand les femmes la pleurent, même sont comme des mazos. C'est quand il pleure qu'il est content. Non, les larmes d'une femme, ça fait peur. J'ai dit, ah, prophète aussi, l'âme de femme, ça fait peur, oui. Tu n'es pas prêt pour une femme, laisse-la, elle va aller quelque part. Parce que la femme, vous voyez, la femme, c'est symbole de elle est fragile. Vous comprenez? Mais ils sont contre moi, ils n'aiment pas ça. Donc, la femme, il faut toujours prouver que tu l'aimes et tu la protèges. C'est pour ça que dans un foyer, mais les familles ne peuvent pas intervenir. Moi, j'ai une femme, personne ne peut pas venir. Mais c'est mon cœur, ou bien c'est mon cœur qui décide. Donc, vous ne pouvez pas venir décider à ma place, c'est que mon cœur a choisi. Amen. Maintenant, si mon cœur a choisi que j'aime la femme, je sais pourquoi je l'aime. Pour le meilleur et pour le meilleur. Toi, non. Il n'y a pas pire. Non, qu'on n'a pas pire. Non. Le pire, là, quand il vient, Jésus avale ça. Moi, c'est pour ça que nous, c'est pour le meilleur et pour le meilleur. Moi, je ne rencontre pas femme pour avoir pire dedans. Pire, là, quand ça vient, Jésus avale. C'est comme dans un ordinateur, quand vous avez le virus, il y a antivirus. Ou bien? Amen. Ah, nous, on a anti-pire dans le foyer, c'est Jésus. Donc, quand ça vient, pire, là, Jésus avale. Et puis, notre amour a continué. Donc, je ne marie pas une femme, non. L'homme doit protéger sa femme. Tu es dans le foyer, ta femme, quelqu'un a affaire à elle, mais l'affaire à toi. Non. Tes parents du village n'ont pas le droit de se mêler de ton problème de foyer. Si vous voyez que les gens du village, vos parents interviennent dans vos foyers, c'est que vous êtes encore bébé. C'est ce qu'on appelle irresponsable. On dit l'homme quittera son père et sa mère. On quitte la famille pour se mettre avec une femme pour unir un foyer. Vous venez, vous ingérez, vous parlez, vous taisez, vous ne parlez pas. C'est-à-dire le monsieur, la femme, elle est idiote. C'est les hommes mûrs qui se mettent ensemble. Les hommes qui prennent les décisions. Quand on est ensemble, on est ensemble. Amen. Amen. On m'a bien écouté. Amen. Alléluia. Amen. C'est tout ça là qui envoie les maladies, les AVC, tout ça. Les tensions, afin de réfléchir. Amour, tu réfléchis quand l'estomac là explose. Bah! Avec l'amour, quand tu aimes là, c'est grave, hein? Hein? Amen. Amen. Il faut être convaincu que c'est lui l'homme, ou c'est l'homme. Et puis il faut protéger ça. Personne ne doit venir parler dans votre affaire d'amour. Quand on commence à aimer là, ne permettez pas à quelqu'un de venir parler. Toi-même, tu as les yeux. Quand tu vois que ça ne va pas,
Tant que tu n'as pas mis alliance là, tu n'as pas quitté. C'est la vérité aux gens. Toi, mais tu vois que ce n'est pas bon. C'est moi qui viens de te guider. On va bien saisir. Amen. Voilà, donc que Dieu nous aide. Amen. Que la main de Dieu soit sur vous. Amen. Qu'il vous donne des hommes délivrés. Amen. Et des femmes délivrées. Amen. 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 Tu vois ta femme, il faut la prendre soin d'elle. Va payer des petits cadeaux, tiens. Voilà, tu payes les cadeaux, tu donnes à ta femme. Le monsieur aussi, des petits chocotos déchirés dans les bouches. Là. Moi, on n'aime pas laver ça. Je pense que c'est bien là. Ça sent son nom. Les chocotos là, c'est 500 francs au marché. Donc, si tu as 5 000 francs, tu fais 10, donne au monsieur. Il va changer son nom. C'est ça. Ah, tu laves. Nia, faut laver. Tu laves ça. Oh, il y a des gens, ils sont experts, tu es cabri. Et c'est là le matin, mais la nuit. C'est pas. Il peut le blaguer. Nous les hommes, on n'est pas là la nuit. Hein? C'est pour nous que le matin. La nuit là. Tu le plaques, va te le laver. J'ai demandé de blaguer l'homme, tu le conduis dans la douche, et puis tu le laves. C'est ton enfant. Tu le laves. Tu le laves. C'est nous, c'est vous qui faites l'homme. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il faut tomber sur une femme. Prête pour toi. Mais quand tu as pensé à faire ça chez nous, les noirs, on a dit non, tu es bête, hein. Quand tu découvres des noms, tu l'aimes comme un mouton. Mais c'est comme ça, tu dois l'aimer bêtement. Chez nous, les noirs, on peut mourir. Je suis quitté en Europe, on dit déporter du nez soleil. Quand il est porté chez moi à la maison, j'ai tombé les laisser. Si vous voulez écouter, bouge de nous, les noirs. Vous n'allez jamais vous soigner. Vous n'avez jamais vu le foyer. Ça serait toujours bizarre, bizarre. Si tu as aimé quelqu'un, on aime une fois. Il faut l'aimer comme folie. Dans la rue même, je t'aime. Pas avoir honte. Et mais pour avoir honte. Nous maintenant, on dit partout, je t'aime. Hein? Si tu ne lui dis pas, je t'aime, tu dis quelque part, je t'aime. C'est comme ça. L'amour, là, ça ne vieillit pas. On dit amen. Amen. On dit amen. Amen. C'est la meilleure chose. Donc, cherchez quelqu'un qui vous aime. C'est pour ça que l'homme, Dieu dit à l'homme, aime ta femme. Nous, les hommes, on est trop hypocrites. Nous sommes trop orgueilleux, comme des sorciers. On fait semblant. Ta femme est là, on lui cache, attrape-la. Les petits balades, c'est pas méchant, c'est pas mauvais. Au contraire, c'est bon. Tu dois montrer au quartier que c'est elle qui est dans ta vie. Combien? Voilà. La femme aussi, elle doit nourrir son monsieur de confiance et vice-versa. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous donne le meilleur mari. Amen. Et la meilleure, épouse. Le bon secret, c'est la prière. C'est la prière. Fléchissez genoux tous les jours. Priez pour ça. Or, les hommes n'aiment pas ça. Les hommes, ils n'aiment pas. Amen. Amen. Testez les gens. Hein. Si vous voulez marier quelqu'un, vous testez pour savoir qu'elle est vraiment désarmée. Il y a des tests qu'on fait. Ah oui, je sais que c'est là. Quelqu'un va venir parler elle-même. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Nous allons écouter un peu la parole. Deux versets bibliques vont nous aider ce soir. Deux versets parole de Dieu. Amen. Amen. Jésus, le chapitre 1. À partir du verset 8. Jésus, le chapitre 1, à partir du verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour de ta bouche. Oui, la bouche. J'ai expliqué, on dit ne s'éloigne pas. J'ai expliqué ça. Oui, allons-y. Médite-le jour et nuit. Maintenant, on dit médite-le jour et nuit. C'est qui écrit, oui?
pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans ton entreprise. On dit donc là, le succès, ton succès dépend de ça, de la parole. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Qui ne veut pas réussir sur la terre? Qui veut réussir? Amen. Le secret est là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le secret est là. On dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Est-ce que vous savez que vous-même là, vous avez quelque chose de très important en vous, qui est la parole, n'est-ce pas? La parole, là, vous savez que c'est une puissance créatrice. Prenez un exemple. Vous prenez un pot de fleurs dans un pot. Hein? Et puis commencez, vous prenez deux pots de fleurs. Et puis commencez à dire l'autre pousser, grandit plus que l'autre. Effectivement, ce que vous allez déclarer sur les pots de fleurs, là, ça va agir. Scientifiquement, c'est comme ça. Donc ça veut dire que la puissance, la parole a une puissance. Donc ça veut dire qu'on peut l'utiliser, n'est-ce pas? Pour les bonnes choses, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi vous ne voulez pas avoir l'argent? Moi, quand je me lève le matin, je dis que je dois avoir l'argent. Je suis un homme. Ne jouez pas à Esaïe. Et Esaïe, plutôt le son 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Ne conjuguez pas son passé. Conjuguez son au présent. Ce verset-là, à partir de 4h du matin, vous le répétez 7 fois. Ou pour d'autres 21 fois, vous aurez toujours l'argent. Amen. Les Juifs, c'est leur verset. La guerre des 6 jours, ils se sont attrapés les mains. Pendant que le peuple arabe s'est levé contre Israël, ils se sont attrapés les mains. Pour dire Hachem est mon berger. Hachem est mon berger. Ils ont commencé à répondre le verset. Ils ont senti une armée confondre l'armée des Arabes. Quand je me lève à 4h du matin, ce verset, je répète, je ne manque pas là. Si tu dis, j'aurai l'argent, parle. Attends. On dit, et le semeur sème la parole, n'est-ce pas? Et le semeur sème la parole. Je crois que c'est Marc. Ça doit être Marc 4, verset 13, je crois un truc comme ça, si je ne me trompe pas. La parole est une semence, n'est-ce pas? Hein? Ok, pourquoi la malédiction agit? Quelqu'un est maudit, puis ça agit. La parole mal dite. Dieu a pris quoi pour créer l'homme? C'est pas la terre. Tu constitues la terre. Donc la parole est une semence. Hein? Marc? Voilà, reprends. Jacques, Marc, écoutez. Donc moi, quand je me lève le matin, je dis, moi, grâce, j'aurai l'argent. Je suis un milliardaire. Tant qu'il n'y a pas eu ça, je ne bouge pas au ciel. Pourquoi? Ma nouvelle Jérusalem, moi, je ne bouge pas. Jérusalem. Je vais y aller, oh, je vais. Je veux les gens chanter ça. Vous voulez aller à Jérusalem? Allez-y. Allez, on meurt. Allez-y. Nous, on est là. On va voir les voitures, tout ça. Vous n'êtes pas bien vécu sur la terre. Vous m'avez aussi à la main bizarre. J'ai vu Jésus dans ma chambre. De 5h du matin jusqu'à 18h. Je n'ai pas senti l'heure passer. Quand j'ouvre la porte, les 18h. Même la nourriture, je n'ai pas senti la faim. Arrêtez vos histoires de manger pizza. On ne mange pas là-bas. Lui-même là, même là, quand tu le vois, tu es déjà rassasié. Donc c'est ici. Et Jésus, c'est la vie, n'est-ce pas? Amen. Les gens doivent sentir, ils doivent sentir dans ta vie que tu as Jésus dans ta vie. Amen. Tu dois chiter ta maison. C'est un héritage que tu dois laisser à tes enfants. Amen. Parce que l'or et l'argent appartiennent à qui? Amen. Vous savez ça? Ok. Qui c'est ça? Amen. Vous n'allez pas bien vos doigts. Amen. Est-ce que vous comprenez la portée de ça même? Que l'or et l'argent appartient. Vous comprenez ça un peu? Vous ne voyez pas ça comme je vois ça peut-être. L'or et l'argent appartient à qui? À Dieu. À Dieu. Vous adorez qui? À Dieu. Ok. Donc de rappeler lui ça.
si l'or et l'argent appartient à Dieu, vous ne devez pas être pauvre. Si vous devenez pauvre, vous allez rater le ciel. Ça veut dire qu'il est absent. Le Juif dit, la pauvreté, c'est l'absence de Dieu dans la vie d'un être humain. Amen. C'est pour ça que tu ne vas jamais voir un Juif pauvre. Il dit, lorsque Dieu est absent dans la vie de quelqu'un, c'est seulement qu'il est pauvre. C'est ce qui est vrai. Quelqu'un a l'or et l'argent, il vient chez toi. Tu n'as pas moyen d'agir. Or, Dieu vient loger chez toi. Et puis tu es pauvre. Il faut réfléchir sur ta vie. C'est qu'il n'est pas chez toi. Tu m'as bien saisi? Amen. Ah, c'est clair. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut que Dieu change vos conditions de vie. Amen. Si les choses changent, vous avez des voitures, c'est pas malin. Hein? C'est des choses qui... César aime ça. Donne à César ce qui est à César. Les gens veulent le voir. C'est pas un peu de malin. Ça va l'attirer. Il va dire, tout a changé chez lui. Eux-mêmes vont s'approcher de toi pour chercher ton témoignage. Mais j'ai dit, fais quoi? C'est là que tu vas commencer à prêcher l'évangile. Vous avez dit aux gens, vos micros prenez dans la rue là, ça fait briller aux gens. Qui ne sait pas que Jésus est mort ressuscité? Qui ne sait pas ça? Qui ne sait pas qu'on ira en enfer? Qui ne sait pas? Le fait, si vous voulez en enfer, ça dit aux gens. Mais qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Quand il va y avoir le changement dans ta vie, la famille va commencer à s'approcher un peu à peu. Vous savez, quelqu'un dans l'argent, les gens commencent à te prendre au sérieux. Vous n'êtes pas bien pauvre qu'on respecte. Mais tu appelles, mais encore le diable. Tu m'appelles pourquoi? Non, je voulais te dire bonjour. Il faut plus m'appeler, dire bonjour. Ton bonjour, là, ça veut dire quoi? Ok, un calaï dit bonjour, tu cours. Il y a 5000 francs graves. C'est cela que le pauvre n'a pas de dignité. De toute façon, Jésus guérit de la maladie. C'est pour ça qu'ils ont des gens riches. Amen. La richesse, c'est quoi? C'est celui qui est toujours béni. Ça dit quoi? Qui a comblé le bien. Quand quelqu'un est riche, celui qui est comblé de bien. Tu as envie de changer ta télé, tu changes ta télé. Et les gens, la télé t'en vont. On tape. Être sort. On tape d'abord, ça fait juste. Souvent ça parle, tu vois pas, la neige. T'attends le journaliste parler. Vous l'avez sa pied pâle, tu le vois pas. Ton papa, ton grand-père a regardé, ton grand-mère a regardé, ton grand-père a regardé. Toi tu regardes ça encore. Smite. Qui s'appelle les placements? Smite. Tu vas sur la télévision, tu fais Facebook. Vous êtes là? Hey, tu vas sur YouTube, bien ça chez moi. La télé, ça fait 1 500 000. Quand quelqu'un rentre chez toi et voit ça, il sait qu'il dit ici, là, Dieu est là. Ouais. Non, c'est pas musulman. Hey. On dit l'or et l'argent, pas dit. Donc, où il est là? On sent ça? Quand il y a la pauvreté, quelque part, on sent. Casserole, les fauteuils sont confondus. Hey. Quand maison est pauvre, on connaît. Oui aussi. Quand quelqu'un est riche, on connaît. Quand quelqu'un est peu, on sait. C'est ça qui a traité nos maisons. Un minimum de luxe dans votre maison. Faut que les gens sentent que Dieu est présent dans votre maison. Dieu c'est la sanctification, il y a la propriété dedans. Mais vos fauteuils sont déchirés. Tous les cafards du quartier viennent pondre dedans. Ils font les enfants. Ils distribuent au quartier. Les souris viennent. Il faut une pompe dedans. Amen. Amen. Je suis en train de vous choquer. Pour que vous puissiez prendre votre vie au sérieux. Amen. 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 Pour que Dieu puisse vous bénir. Amen. Voyez grand. N'ayez pas l'esprit de pauvre. Amen. Moi j'ai Dieu. La pauvreté, c'est une question d'esprit. C'est la mentalité. Amen. Amen. Allons-y par la parole. Quelqu'un qui a télévision de 1 500 000. Dieu n'est pas chez lui. Alors, là, tu as la télévision d'avant, c'est 35 000 francs.
Ils sont allés fouetter votre orgueil. Les gens vivent leur vie. Vous êtes là, vous dites que vous êtes en train de vivre. Vous êtes en train de mourir. Vous ne vivez pas. Fauteuil, il y a tout de poussé dedans. Cafard, en train de pondre les œufs chez vous. C'est ça, on avait fauteuil. Dans le terrain, tu sais que le coin est envoûté. Quel fauteuil. Tu peux tout avec la foi. Amen. Amen. Tu peux changer ton salon avec la foi. Amen. 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 Et le juste vivra par la foi. Ce qui fait vivre son juste, ce n'est pas son compte bancaire. C'est sa foi. Ta foi te dit quoi? C'est tout. Il dit, et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu penses que tes salons seront changés, Dieu changera ton salon. Tu peux me donner le son. Je ne vous parle pas de compte en Suisse, ou mes comptes à BCAO. Je te dis ta foi. Tu n'es pas d'accord avec le système qui se passe chez toi. Tu es choqué. Vous dites non, je ne suis pas d'accord. Elle foutait son visage de moi. Dieu, donne-moi les moyens pour changer. Parce que quand les gens verront les choses changer ici, ils me prendront au sérieux. Dieu est obligé parce qu'il y a son nom, il y a son honneur. Amen. Amen. Oui. Amen. Quand les gens te fréquentent, toi, savoir que ah, ce monsieur-là ici. Il est serviteur de Dieu, oui. Dieu est lui, hein. Mais les gens perdent la soie de tes fauteuils. De peur que les souris, ils emportent les souris chez eux. Ah, il y a les souris qui sont dangereux, hein. Et ils ont la bouche, hein. Ils vont draguer le visiteur. Non, mais c'est mort si toi, t'as honte. Moi, tu m'as fait ça, il vient plus chez toi. Souris va dans ma poche. Je vais te dire bonsoir, souris. C'est fini. Amen. Amen. C'est vous qui laissez les gens. Où est les gens? Où est là? C'est des César. Donne à César ce qui est à César. Je ne dis pas faut forcément qu'on crache. Non. Je me dis chez moi, il y a Dieu. Vous voyez, quand les gens que vous fréquentez, ils restent chez vous, hein. Vous, ça change. Depuis 2000, combien là? C'est la même chose. Tu as honte, mais quand les gens te prendront, tu caches, ou t'es, on connaît, c'est gâté. Oh, elle veut nous prendre, comme quoi, vous cachez, vous foutez, on sait le système. Faut le drap que tu mets là, qui cache, elle moquette, c'est pas même couleur. Donc on connaît que, mon cher, c'est déchiré en bas. C'est la vérité. Toi, tu peux être avec Dieu, et puis, vivez votre vie. C'est pas de l'orgueil. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Je m'en fous. Il a ça, il me donne. Ah, il va me donner pour moi. Comment ça va venir, ça ne m'intéresse pas. Quand un enfant se lève le matin, est-ce qu'il réfléchit si son papa a l'argent à la banque ou pas? Il s'en fout. Il dit, donne-moi à manger. Ah, le papa ne peut. L'enfant sait que son papa a l'argent. Il se lève le matin, il dit, donne-moi à manger. Papa a aidé. Il sait que son papa a l'argent. C'est comme ça que vous devez voir Dieu. Amen. Changez vos endroits où vous vivez là. Changez. Ne soyez pas avare. Changez votre vie. Changez pour les mouquets. Changez les truies. Mettez votre maison au propre. C'est-à-dire, tout est propre. Quand quelqu'un rentre chez vous, la personne sent. L'exemple, la personne sent des choses. Parce qu'on est chrétien qu'on ne doit pas vivre bien. Ça veut dire quoi ça? Vous prenez les bois qu'on taille, on met vernis là-dessus, vous mettez dans le salon, vous percez les fesses des gens ou bien. Je suis en train de vous choquer. Les gens vivent. Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Si tu veux, ça va venir. Pourquoi en guérison, vous croyez? Pourquoi vous croyez en délivrance? Vous croyez qu'on va vous donner travail? Vous ne croyez pas que vos salons peuvent changer? C'est une mentalité. Changer. Amen. Amen. Et le semeur sème la parole. Qu'est-ce que tu sèmes en toi? Moi, je sème des choses matin, je me lève, je parle sur ma vie. Il y a des choses qui ne doivent plus m'arriver. J'ai dit, il y a des choses qui ne doivent plus m'arriver. Mais si ça m'arrive, ça ne va pas glorifier. Les gens vont murmurer contre Dieu. Est-ce que vous savez ça? Ah, toi, c'est chrétien. Ça aussi t'arrive.
N'est-ce pas? Mais les gens savent qu'on va à l'église. Ils sont convaincus qu'on prie. Ah, c'est quoi ça? Le semeur sème la parole. Le semeur sème la... Que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Le semeur sème la parole. Nous sommes les semeurs. Nous devons s'aimer une parole. Tu as semé quoi pour récolter quoi? On récolte ce qu'on a semé. J'ai donné un, ça ne marche pas chez moi. Mais si tu as semé, ça ne marche pas. Tu as récolté, ça ne marche pas. Vous pleurez sur ma main, ils vont me divorcer, moi-même je ne marie pas. Tu dois déclarer que je suis femme qui doit se marier. Moi-même, je suis marié. Changez le langage. Et il y a un langage spirituel, un langage de foi. Je dis, moi, en tant que je ne rentre pas dans la gamme des milliardaires, je ne meurs pas. Je suis venu dans Jésus là, c'est guérison, mais c'est ministère seulement. Il y a l'argent aussi. Or, quand vous commencez à avoir l'argent, il y a les choses qui disparaissent de vos vies. Même les policiers, même pour venir nous attraper, ils ont peur. Vous savez pas ça? Ah non, non, mais. Ils ont peur. Il y a rien, même l'Amandine, non? Comme il a l'argent, la liberté, c'est caution. Son argent le libère. Vous savez pas ça? Quand tu commences à avoir l'argent, il y a des choses qui disparaissent. Le gars, mais qui voit ta maison, il a peur. Je dis, moi, si il veut la paix, maintenant, s'il me mate après. C'est pour ça que Dieu faut que vous bénisse. Amen. Tu veux sain, tu vas chez ton voisin, prends sain. Tu veux petit, que la petite, seulement tu vas, le voisin prend une. Demi kilo de riz. Le voisin a donné tout ça. Ok. Il veut son marché. Le voisin ne va jamais croire en toi. Et le semeur sème la parole. Vous devez semer les paroles en vous. Moi, je ne vais jamais mourir pauvre. Je ne mourrai jamais célibataire. Tous les 4 heures, c'est à cette heure-là qu'on déclare les bonnes paroles. Pendant 21 fois, tu déclares ces paroles. Tu prends la parole. Moi, je suis là. Je parle. Amen. Je sors. Le soleil arrose. Le soleil, c'est une parole qui est scellée sur ma vie. Demain, ça va produire. Ce qu'il a dit là, c'est ce qui va se poser. Amen. Toi, tu dis quoi? Tu plais seulement. Tu parles sur ton ventre. Ce ventre là va procréer. Ce ventre aura un enfant. Amen. Tu dois parler sur le ventre. Il prend mon pasteur, il dit aucun gars bizarre. Moi, il m'a ramassé. Quand il dit visa, pourquoi? Toi, t'es qui? Si vous avez les rendez-vous de visa à partir de 1h du matin, prenez vos pasteurs, mettez dans ma main, parlez, tout va les déposer. Pour lui, il est obligé de mettre Amen. Le visa dedans. Amen. Amen. Vous savez, Dieu est vous. C'est tout. C'est tout. Celui qui bénit là. Il a Ève. Vous criez quoi? Je ne réfléchis plus. Tu es la Ève. Déclarez des paroles. Dieu entend ça. Déclarez des paroles sur vos vies. Vous n'allez pas bien, je suis pauvre. Okay. Moi, j'ai changé une étude de système. C'est d'autres qui ont connu faire connaître Jésus. Quand tu commences à être pauvre, tu commences à être bizarre. Rancunier, aigri, jaloux. Les riches n'ont pas le temps. Au petit mimi, lui n'a pas son temps, il a trop d'affaires dans la tête pour s'intéresser. Or, quand tu n'as pas l'argent, cette oisivité-là t'intéresse à la vie des gens. Quand quelqu'un a l'argent chez lui à la maison, 500 000, il ne peut pas chanter. Elle dit la migraine. Non. Moi, je vous demande, répondez-moi. Non. Quelqu'un qui a 500 000, hein, quelqu'un qui a 500 francs. Ils ont la même manière de voir la vie.
Ensemble, nous voulons le Seigneur, il est vivant. Là, tu chantes ça bien. Parce que quand quelque chose se présente, il y a ça pour résoudre le problème. Il y a des choses, ce n'est pas le ciel seulement. Il y a l'argent pour l'église. C'est pour ça que l'argent, il faut que Dieu nous donne les moyens. Alléluia. Amen. On va bien saisir. C'est pour ça qu'il faut entreprendre, il faut faire des affaires. Moi, j'ai commencé à prendre les écoles primaires des divots. Personne ne va m'arracher ce projet-là. Si vous voulez écouter ça, j'ai déjà bouclé ça. Yamakouji, Bissap, Gato. Quand j'ai calculé, je peux me rapporter 10 000 francs par jour. Rien. 10 000 francs par jour. Au plus 20 000. Ça fait 300 000 francs de mois. Moi, c'est le seul comment il paye, mais c'est qu'il va. Donc, je ne vous dis pas comment il paye. C'est dans mon cœur. Or, ici, un manque nous, là, ça va, on sème, ça va, on récolte, on fait les jemzem, Yamakou, Bissa partout. L'école n'a pas commencé. Il n'y a pas plus grand buveur de Yamakou que l'élève. Quand il leçon de mathématiques, il craque dans sa tête, c'est Bissa qui cherche à boire. Donc, on se positionne. Tous les jours, il y a l'argent. L'argent, c'est une question d'intelligence. Vous cherchez à aller dans le bureau. On met 300 000 francs, cadeau comme ça. C'est vous qui jouez à l'argent. C'est-à-dire, si vous voulez, Dieu va donner l'intelligence. Pour avoir. Moi, je ne cherche même pas à avoir une voiture puis tourner dans la. Non. Et puis, j'ai 15 000 francs, il va envoyer. Celui qui commence par voiture, il va devenir pauvre. Il a faut. Si vous voulez commencer là, commencez par nourriture. Il va faire qu'on n'a qu'à posséder comment il va manger. On n'a qu'à attraper son cœur quand il va vouloir manger. Commencez par la nourriture. Tout commerce que commence par la nourriture là, ça marche. Ça dépend à qui vous confiez. Ne confiez jamais affaire avec parents. Pardonnez. Je ne suis pas contre nos familles. Hein. Mes parents, il va te faire tomber. Il va confondre lui, son business. Et puis il va dire, mais c'est mon frère. C'est qu'il est sûr, il ne va pas m'envoyer quelque part. Vous m'avez compris? Un salaire seul ne suffit pas. Pour avoir même 200 000, 300 000 francs, 500 000 comme salaire, ça ne suffit même pas. À côté de ce salaire, il faut faire des affaires. Amen. Amen. Vous voyez les congélateurs, les boulangeries, vous voyez là, ils ont besoin de glace. Les maquis, vous voyez pas boisson, mais les maquis, vous voyez là, ils ont besoin de glace. Des bouts de glace, c'est ce qu'ils prennent, ils ne mettent plus le congélateur. Vous savez pas ça? Vous êtes là, vous voyez le congélateur, ça se garde dans la maison. C'est nous qui faisons ce que les gens ont marché chez nous. Les francs-maçons, vous voyez là, surtout qu'ils ont toutes les banques. Nous, on cherche le ciel. Et ils ont dit, ok, nous, on prend la terre. Ils ont commencé à prendre dans les grosses affaires. Oh, les chabats de paix. Avoir les choses sur la terre et puis le ciel. Non, on a dit le ciel. C'est la terre qu'on maîtrise pas. Oh, la terre, ça veut dire qu'il faut avoir l'argent. Oh, le pouvoir, là, la terre, c'est l'argent. Vous savez très bien que l'argent, c'est le pouvoir. C'est ça que je vous demande d'entreprendre. Amen. Amen. Il faut entreprendre. Et confiez les affaires au Seigneur. Mettez-vous dans la restauration, mettez-vous dans les trucs qu'on mange, ou les vêtements d'abord. Et après ça, maison. Construisez. Ça, c'est important. Ça ne trompe jamais. Quand vous allez commencer à avoir un peu d'argent, commencez à construire. Si vous avez atteint ce stade de construction, c'est fini. Vous commencez à. Quand vous allez commencer à avoir peut-être 100 millions, c'est fini. Vous commencez à être milliardaire. Un jour, le Seigneur commence à parler un peu de ça. Amen. Vous devez réfléchir comment avoir l'argent. Ça vous dépend, ça ne vous intéresse pas. Non, le problème, on va parler des sorciers. Les sorciers qui nous mangent. On va parler des sorciers seulement. C'est quel soit de l'argent. Bon, si on a chassé sorcier, tu ne manges pas. Je ne sais jamais de parler. Amen. Amen. Donc, c'est important. On n'a pas besoin d'aller forcément en Europe. Pourquoi te donner combien? 25 millions. Il va parler quand. C'est 50 euros, ça fait 32 000.
On est content. C'est rien. Ça en 2000, elle avait fait quoi? Gaba, c'est cher. Il faut 2000 pour manger bon bon Gaba. Mais poisson, c'est cher. Hein? Vous ne pouvez entreprendre. Les bas-fonds qu'on voit là, les gens, mais hein? C'est l'argent nos gars ramassent dans le bas-fonds, là, c'est des millions. Par deux, chaque deux ou trois mois, c'est l'argent. Vous voulez qu'une seule personne, c'est la personne, une seule personne qui va vous donner à manger. Une seule personne, il a dit non, vous allez la tuer. Pourtant, Dieu nous a tout donné. La Bible dit, tu travailleras. Hein? Vous connaissez le verset là. On n'a pas dit tu travailleras dans la poche de ton prochain. Vous les sorciers, on n'a pas dit c'est dans la poche de quelqu'un que tu vas travailler. Les gens sont là, c'est dans la poche des gens. Les gens, ils travaillent, ils veulent manger leur argent. On dit, toi, tu travailleras à la sueur de ton front. Tu veux qu'un trappe manger. C'est pour ça qu'il faut travailler. Il faut entreprendre. Il y a des petits choses que je vous ai dit. Petit chocon qui rapporte l'argent. Facilement. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Mais comme on conseille quelqu'un qui est en Europe, il va nous envoyer l'argent. Comme à les funérailles. Il va nous envoyer l'argent pour enterrer les gens. Comme si eux n'ont pas de problème. Que Dieu nous aide. Amen. 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 Alléluia. Donc, que le livre, la loi ne s'éloigne pas de la bouche. J'allais, si on veut avancer aujourd'hui, il faut une seule chose, nous s'appuyer sur la parole de Dieu. Et en fonction de cette parole, il faut te dire, tu es enfant de Dieu. Voici ce qui est prophétisé sur moi. Voici ce qui est déclaré sur moi. Ne les laissez pas. Vous déclarez. Ce que vous sémez dans votre vie, là, c'est ce que vous allez récolter. Vous m'avez saisi? C'est ce que vous avez récolté. D'ailleurs, ils dorment. Quand je lève ma tête, ça leur dirait même de parler de pleines déclarations. Si vous continuez de dire, moi, je ne mourrai pas de cette maladie. D'ailleurs, le cancer, je ne veux pas mourir de cancer. Le cancer va disparaître. Telle maladie va disparaître. Toi, moi, ce bande-là, j'aurai un enfant. Ce que tu déclares, c'est ce qui va arriver. Vous m'avez saisi? Amen. Ce que tu déclares, là, qui va arriver. Amen. Alléluia. Amen. Et de marcher selon la parole de Dieu. Viens, 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 je prie, viens. Pourquoi c'est... Vous voulez que Dieu vous bénisse? Amen. Qui veut être béni? Que Dieu vous donne assez d'argent. Amen. On chasse tous les démons de sorcellerie. Que Dieu vous donne l'argent. Amen. Qui vous donne assez d'argent. Amen. Et que votre argent qui était bloqué là, que Dieu débloque ça au nom de Dieu. Amen. Que vous suivez cette vidéo, que Dieu décante vos situations de vie. Amen. Ayez l'argent. Amen. Bon! Hey. Hey. Je distribue enfant aux gens. Ce soir. Tu veux combien d'enfants? Je vais Ah. Mmh. Saint, tu veux les nourrir. Nos enfants, ils mangent. Nos enfants, là, ils mangent. Et laissez appeler Dieu pour voir. Nous-mêmes, on n'a pas pouvoir. D'abord, laissez bon Dieu. Dieu pouvoir laisser bon Dieu. La puissance. Laisse-moi. Qui es-tu? Pardon.
Pardon. Oui. Pardon. Toi. Pardon. Qui es-tu? Pardon. Pardon. Qui es-tu? Pardon. Pardonnez, 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 pardonnez. Lâchez-la. Qui va? Laissez-la. Qui va? 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 Amègre, 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 amègre. Chaque démon passe son Qui va? 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 Amègre, amègre, amègre. Dans vous, vous parlez où est-il quoi? Chacun parle baoulé, chacun parle gourou. Lâche-la. Lâche-la au nom de Jésus. Libère-la. 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 Elle va faire enfant. Première grossesse, vous venez ça ici, Amen. On va vous appuyer pour ça, et puis l'enfant, vous envoyez l'enfant, on va consacrer, c'est tout ça, c'est tout. Amen. Elle doit un enfant. Mais je sens que c'est en janvier, elle va prendre la grossesse. Elle doit l'enfant. Amen. Voilà. Elle finit la grossesse, tu m'envoies, tu m'envoies la grossesse ici. Amen. Elle doit... Et puis l'enfant va venir, tu envoies, et puis au fur et à mesure, les trois enfants. Amen. Trois gars, deux garçons, une fille. Amen. T'es délivré. Amen. Qui va être béni? Amen. Tout le monde sera béni. Amen. Les enfants ici, on va prier pour eux. Amen. C'est bon. Libérez-la. C'est un ordre. Allez. Libérez-la. Au nom de Jésus. Lâchez-la. Voilà, lâchez-la. Maintenant même. Vous la libérez maintenant même. Vous la libérez maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Lâchez-la. Maintenant, tu délivres.